Je n'aurais pas dû sourire quand elle m'a souri. Je n'aurais pas dû lui dire qu'elle était jolie. Car c'est ainsi, je vous jure, que m'est arrivée la bien curieuse aventure que je vais vous conter. J'aurais mieux fait de me pendre quand je l'ai emmenée faire un tour juste pour prendre une tasse de thé. Elle n'a pas su se défendre quand je l'ai embrassée et que chez moi sans attendre j'ai voulu l'emmener. Je n'aurais pas dû descendre la raccompagner. Il est venu nous surprendre au pied de l'escalier. Il n'a pas pu se méprendre sur nos relations et n'a pas voulu entendre une seule explication. Dans ses yeux je pouvais lire un immense chagrin et son regard voulait dire: je n'y comprends rien, tu t'es conduit comme le pire des êtres humains en essayant de séduire la femme d'un copain. Quand j'ai voulu faire un geste pour le retenir, il a plongé dans sa veste et j'ai voulu m'enfuir. Mais aussitôt dans ma tête un bruit infernal m'a fait faire la pirouette et je me suis trouvé mal. À cet instant dans ma chambre je me suis réveillé et j'ai alors pu comprendre que j'avais rêvé. Malheureusement dans mon rêve j'avais renversé la lampe, la table et la chaise et le café au lait. En entendant ce tapage ma mère est montée. Quand elle a vu le carnage elle s'est indignée, mais toute heureuse d'être en vie et d'avoir rêvé. J'ai couru, couru chez mes amis et je les ai embrassés.